Donc là, non, dans le pire, je vous enverrai plus beaucoup. C'est triste. Ici, on est en plein dans le berceau, là. Donc à la base, c'est des juments locales qui ont été croisés avec des étalons sans arabes qui étaient ramenés des croisades par les comtes du Perche, parce qu'il y avait beaucoup de manoirs dans le Perche. Vous, les élevés essentiellement font la reproduction. Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Bah, ça fait 20 ans maintenant. Bah, ça a été compliqué pendant quelques années, hein. Il n'y avait pas trop de rentabilité. Ouais. Là, ça repart un peu. Aussi parce que ça a beaucoup diminué. On est passé de 1200 naissances en 10 ans à 400-500 aujourd'hui. Quoi. Est-ce que ça vaut combien un cheval comme ça? Bah, un poulain au sevrage, 6 mois, ça vaut, on va dire, entre 1000 et 2000 euros. Quoi. Okay. Un peu plus de temps en temps, mais la moyenne, c'est ça. Il y a, si vous prenez il y a 3 ans, c'était plutôt 400 à 1000. Donc là, non, dans le pire, je vous enverrai plus beaucoup. C'est triste. Dans l'Orne, ouais. Mais ça reste un petit peu plus dans la Sarthe. Après, vous avez la Mayenne, où il y en a encore pas mal. Les dernières années, c'était quand même assez compliqué. Pour des balades, pour. Non, il n'y a pas des initiatives non. Comme ça qui non, sont. Non. Il y en a un petit peu hein, dans le Perche, mais c'est pas beaucoup. Hein. Dans l'élevage, il y avait beaucoup de personnes âgées. Hein. Des anciens qui avaient gardé les juments, qui faisaient ça souvent à la retraite. Pour les occuper un ouais, peu. Plus donc, par passion. Ouais, plus par passion que pour c'est pas c'est ça qui fait tenir, c'est d'accord, la passion. Ouais. Sinon, il n'y en aurait plus aujourd'hui. Ouais. Si on prend une rentabilité pure, vous arrêtez. Et 50, 55, des gens qui allaient encore au marché avec la carriole. Et vous aviez une ville à Mamers, et bien il y avait deux hôtels-restaurants, il y avait des écuries pour dételer et attacher les chevaux pendant le marché. Et souvent c'était le cheval qui ramenait le propriétaire. Des seules races de drive qui est reconnue à l'échelle mondiale. Vous faites partie des derniers des Mohicans, c'est ça? Bah, faire des balades, il n'y a plus beaucoup de monde.